Bonjour à tous, je souhaite votre attention s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je le fais pour ma famille, je le fais pour mes amis, je le fais pour vous aider tous. Parce que la situation là, elle est intenable, d'accord? Donc il faut que tout le monde agisse comme moi, ok? Donc je vais vous poser une question. Parce que le gouvernement, il y en a peut-être qui le savent, mais il nous ment, d'accord? Et je vais juste vous poser une question. Comment vous expliquer qu'en France, il y a 15 000 morts, alors qu'en Russie, qui est à la frontière de la Chine, il n'y en a que 200. Comment vous l'expliquez? C'est un pays indiscipliné. Il n'est pas discipliné, la France n'est pas disciplinée du tout. Non, mais je vais vous expliquer. Ok. Après, ils sont en retard. Ouais, ils font en retard, mais pourquoi, monsieur? Poutine l'a fermé la frontière à partir de janvier. Pourquoi Macron n'a pas fait pareil? Hein? Ouais, il faut se poser la question. Ils sont en retard et ils sont indisciplinés. Non, c'est pas que c'est en retard, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est que voilà, Poutine, donc dès janvier, il a fermé la frontière. D'accord? Il a vu le virus, boum! Parce que Poutine, c'est qui? C'est un mafieux, comme tous ceux du gouvernement. Mais lui, il contrôle tout en Russie. Il n'a pas envie que le virus il vienne chez lui. D'accord? Donc dès janvier, il a fermé la frontière. Ok? Et deuxièmement, il a mis des contrôles à la sortie des aéroports, d'accord? Toutes les personnes qui étaient infectées, ils s'étaient mis en quarantaine. D'accord? Donc la solution à ce virus, ça n'était pas du tout compliqué, pas du tout. Ok? Il fallait fermer les frontières, et il fallait mettre des tests aux frontières, c'est tout. Voilà. Et pour les aéroports, il fallait mettre des tests. Ok? Donc la deuxième question que je vais vous poser, c'est pourquoi Macron, qui a fait l'ENA, il n'a pas trouvé cette solution? Hein? Un gamin de 10 ans, il aurait pu trouver la solution. Et Macron, il n'a pas trouvé. Hein? Et Buzyn qui nous dit, c'est pas dangereux, le virus, il viendra pas. Hein? Et aujourd'hui, 15 000 morts, les gens. 15 000. 15 000 morts. Ok? Donc, je vais vous poser une deuxième question. Comment vous expliquez que le Maroc, il fabrique des masques? Le Maroc, en France, 6e puissance mondiale, on n'y arrive pas? Faut qu'ils arrêtent. Ils se moquent de nous, les médias. Ils se moquent de nous. Ils en produisent 6 000. Hein? Oh, je vais vous dire, en Turquie, distribue les masques gratuitement. En France, on n'y arrive pas. Faut qu'ils arrêtent. Les médias, ils sont en train de se moquer de nous. Ils se moquent de nous, les médias. Il faut que tout le monde se réveille. Donc, je vais vous dire, en fait, tout ça est organisé, les gens. Tout ça est organisé. Et je vais vous dire par qui. Moi, j'y croyais pas, mais c'est la vérité. Vous pouvez faire vos recherches. C'est organisé par les sociétés secrètes. D'accord? Et je vais vous dire la preuve, parce que Macron, d'où il vient? Il vient de chez les Rothschild, tout le monde le sait, c'était un banquier chez les Rothschild. D'accord? Ben, je vais vous lire une citation de Rothschild. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Donc, je répète la citation de Rothschild. Vous pouvez taper sur votre smartphone, citation Rothschild, vous allez trouver. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Ok? Donc, ça, c'est une citation de Rothschild. Ok? Donc, les sociétés secrètes. Donc après, il y a une citation justement de Rockefeller qui fait partie du Bilderberg Group. Donc le Bilderberg Group, c'est une société secrète, d'accord? Donc je vais vous lire une citation de lui aussi. Donc vous pouvez taper sur votre smartphone, citation Rockefeller, vous allez trouver. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète. Donc c'est lui qui vous le dit, cabale secrète. Travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationaliste, et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale, plus intégrée, ainsi qu'une structure économique, un seul monde si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Donc c'est lui qui vous le dit, il est coupable et fier de l'être. Ok? Et je vais vous lire une deuxième citation de lui. Nous sommes à la veille d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la crise majeure. Et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Donc c'est lui qui vous le dit. C'est lui qui vous le dit, les gens. Tapez citation Rockefeller, vous allez trouver. C'est dans son mémoire. Ok? Donc voilà. Donc qui organise tout ça? Ben, je vais vous le dire, les gens. Donc il y a les Illuminati, il y a les francs-maçons, il y a le Bilderberg Group, il y a le Bohemian Groove, il y a les Skull and Bones. Les Skull and Bones, c'est ceux qui ont organisé le 11 septembre aux États-Unis, d'accord? C'est la société secrète de George Bush. Vous tapez société secrète George Bush, vous allez trouver, d'accord? Donc voilà,
Donc clairement, tout est organisé, les gens. Il faut que tout le monde le partage comme moi. Fasse la révolution comme moi, parce qu'il y en a marre. On peut plus travailler, il y a des gens qui meurent. Les gens, 15 000 morts. Si demain, il y a quelqu'un qui meurt de votre famille, ça sera de votre faute. Si vous faites rien. D'accord? Donc il faut que tout le monde agisse. Tout le monde dise la vérité comme moi. Partagez, dites la vérité. Il y en a marre. Il y en a marre. On peut plus travailler. Il y a des gens qui meurent. C'est stop. Il faut que tout le monde dise un stop là. Ça va trop loin tout ça. Et moi, si je bouge aujourd'hui, c'est pour ma famille. D'accord? Parce que si quelqu'un meurt de ma famille demain, je ne le pardonnerai jamais. Et je sais que c'est eux les responsables. Donc il faut que tout le monde bouge. Donc je compte sur vous les gens. Faites-le pour votre famille, pour vos amis. Il y en a marre, il y en a marre. Il faut que tout le monde monte à l'Élysée. Et on va chercher tous Macron. Il y en a marre. Donc j'ai créé une page Facebook. Résistant pour la liberté. Vous pouvez chercher. Résistant pour la liberté. Donc vive la France, vive la liberté. Bon courage à tous.